Esclavage, la centenaire afro-américaine et la nonagénaire résistante juive à Nantes. Ces rencontres ont été coordonnées par l'association Passerelle Noire et le collectif du 10 mai de Nantes. Ce document, réalisé par Peter Lema du Cercle du Marronnage et metteur en scène de la Marche des Esclaves, sera prochainement proposé à l'Université numérique populaire du Mouvement international pour les réparations. Photos, Amelia Boyton et Odette Roux par Yves Monteil. Voix off, Rachel Fandy. Commentaires, Fanta. Pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas les Africains comme n'importe quelle autre nation, n'importe quel autre peuple? Ils ont participé au développement mondial, ils ont participé à des guerres, ils ont lutté pour de grandes causes. Donc pourquoi devrait-on les considérer comme des citoyens de seconde zone? Au contraire, ils doivent se battre pour réussir à obtenir la reconnaissance et le respect de n'importe quel autre citoyen, quel que soit l'endroit dans le monde où ils se trouvent. As citizens of whatever country in which they are. Un coup de projecteur dans Parole d'Actu ce soir, coup de projecteur sur un documentaire tourné l'an dernier à Nantes. Vous en souvenez peut-être, c'était le 9 mai, la veille de la journée de commémoration de l'esclavage. Ce jour-là, les passants découvraient, surpris, des scènes retraçant l'histoire de la traite négrière à Nantes. L'esclavage, les torturait, les déportait, quand il n'en avait plus besoin pour les massacrer. Le nazisme a fait la même chose. Il a déporté, il a massacré, il a tué par les gaz, il a tué par le travail forcé. Et c'est la négation, l'une et l'autre idéologie, la négation de l'être humain. Une marche silencieuse des esclaves, orchestrée par une association, l'association Passerelle Noire. Les marches de Selma à Montgomery désignent trois marches de protestation menées en Alabama en 1965, les 7, 9 et 25 mars, qui ont marqué la lutte des droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. Elles furent le point culminant du mouvement pour le droit de vote, lancé par Amelia Boyton Robinson et son mari Samuel W. Boyton à Selma, dans l'Alabama. L'esprit de Martin Luther King plane sur Nantes et c'est une femme qui le porte, Amelia Boynton Robinson. Sa venue à Nantes, dans l'un des plus grands ports négriers, est un symbole. À 96 ans, celle qui a combattu aux côtés de Rosa Parks et de Martin Luther King reste encore une militante de la cause des Noirs partout dans le monde. For a time. Cette lutte a été vraiment importante et elle a permis aux gens de pouvoir voir des résultats survenir à une époque. Malheureusement, de nos jours, il faut tout reprendre à zéro et recommencer la lutte. Justice emerges.
qu'il ne faut pas oublier que quand la France, au XVIIe siècle, publie, élabore un code noir, c'est la première fois dans l'histoire connue de l'humanité qu'un État racialise l'esclavage. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour ce qu'on en connaît. Et c'est de cet héritage français que la ségrégation qui va être mise en place aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage et l'apartheid en Afrique du Sud qui va être mise en place au XXe siècle, c'est de cet héritage idéologique-là qu'il se réclame. Donc, on est tout de même arrivé, dans le cours de ce combat de libération, à mettre le racisme hors la loi. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que dans le demi-siècle-là, il y a eu un basculement. Des résistants noirs n'ont cessé de mener la lutte contre les déportations et l'esclavage planifié par le colonialisme. Dans l'Europe occupée par les nazis, nous aussi, en tant que résistants, avons organisé des maquis pour lutter contre les déportations et l'esclavage qui sévissait dans les camps. Est une valeur universelle. Nous résistons contre toutes sortes d'oppressions, qu'elles soient culturelles, économiques, etc. Dans l'Europe occupée par les nazis, nous aussi, en tant que résistants, avons organisé des maquis pour lutter contre les déportations et l'esclavage qui sévissait dans les camps. Nous aussi, avons lutté contre des méthodes qualifiées par Aimé Césaire de procédés colonialistes dont on relevait jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les colonies de l'Inde et les nègres d'Afrique. En ces journées de commémoration, organisées autour du 10 mai, date officielle de la mémoire de la fête des guerrières, de l'esclavage et de leur abolition, nous lançons demain un appel solennel pour qu'un devoir d'histoire trop longtemps occulté soit enfin assumé. Nous, résistants, demandons que les États inscrivent au programme scolaire l'étude de la résistance noire aux déportations et à l'esclavage planifié par le colonialisme, au même titre qu'est enseignée la résistance européenne aux déportations et à l'esclavage planifié par le nazisme. Le premier appel de ce genre qui va être lancé au monde entier et qui fait le parallèle entre l'esclavage des Noirs et la déportation par les nazis. Ça peut paraître peut-être étrange, mais en réalité, si on considère ce qui s'est passé pendant toute cette période de l'esclavage, où les Noirs africains, ceux de l'Asie, de l'Indochine en particulier, furent arrêtés, torturés, massacrés, tués par le travail, tués parce qu'ils voulaient leur liberté, et la déportation par les nazis qui enfermaient dans des camps des résistants qui avaient lutté contre cette théorie du nazisme, qu'on faisait disparaître également par les gaz, par la torture, par le travail forcé, ont tué par le travail au camp de Dora, par exemple. Il y a donc une similitude philosophique entre les deux idéologies, c'est-à-dire
la négation de l'être humain. Et je souhaite une longue vie à cet appel. Odette Roux est à notre connaissance la plus âgée de la marche nantaise en mémoire aux descendants de déportés africains réduits en esclavage. C'est autour d'elle et de Ernest Barrault que les participants et le public se réuniront le 9 mai 2010 devant le nouveau palais de justice de Nantes. À 93 ans, elle ouvre le cortège de la 5e édition sous le signe de la résistance noire à l'esclavage. Avec d'autres résistants au nazisme, elle lancera un appel mondial afin que l'étude de la résistance noire à l'esclavage soit inscrite dans les manuels scolaires, au même titre qu'est enseignée la résistance européenne au nazisme. Les dernières commémorations du 10 mai dans l'ancien principal port négrier de France seront aussi marquées par la participation de Amelia Platt Boynton Robinson, pionnière des mouvements pour les droits civiques, droits de vote des Noirs aux États-Unis. En 2007, elle avait 96 ans. Lorsqu'elle se déplaça à Nantes pour la présentation de son ouvrage « Le combat des Noirs aux États-Unis », publié aux éditions du Boiry, elle deviendra marraine de la 3e édition de la Marche des esclaves en 2008. Sa dernière parution publique fut en 2015, lors des célébrations des 50 ans des marches historiques de Selma. Le 26 août 2015, elle décédera à l'âge de 104 ans. C'est-à-dire que le combat est toujours en cours, que nous ne sommes pas encore arrivés à mettre à bas l'idéologie de l'oppression. On l'a mis en partie à bas.